Bonjour Olivier, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien. Merci Denis, ton invitation. Merci de prendre du temps, parce que je sais qu'aujourd'hui, enfin en ce moment, ton emploi du temps est extrêmement chargé par rapport justement à la PPL dont on va parler. Donc la PPL, pour rappel, c'est une proposition de loi. C'est donc les députés qui eux-mêmes écrivent la proposition, à l'inverse du PGL, le projet de loi qui lui est proposé par le gouvernement. Donc, la PPL dont on va parler, c'est la PPL donnant le droit à une fin de vie libre et choisie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être est-ce que tu pourrais te présenter pour les viewers qui sont là, savoir qui tu es? Alors, qui je suis? D'abord, je suis Rochelais. Je suis né à La Rochelle. J'ai été professeur d'histoire-géographie pendant plusieurs années. Ensuite, je me suis présenté aux élections législatives en 2012. J'ai été élu. Ça a été assez suivi à l'époque. Et donc, j'ai été réélu en 2017. Donc voilà, j'arrive au terme de mon second mandat. Et c'est vrai que lorsque je me suis présenté aux législatives, un de mes moteurs, c'était au fond de moi-même de me dire que peut-être que j'arriverais à contribuer, à faire en sorte que nous puissions demain, chaque Français puisse disposer d'une fin de vie libre et choisie. C'est un de mes combats de toujours. Pour des raisons philosophiques, pour des raisons personnelles. Et c'est vrai que ça a été une de mes grandes motivations pour me présenter. Et puis, ben voilà, nous avons été, toi comme moi, élus. Et je crois que la noblesse aussi du travail d'un parlementaire, c'est certes de contrôler le gouvernement, hein, c'est une de ses missions régaliennes, mais c'est aussi d'être à l'initiative. Et l'initiative parlementaire, ça passe par des PPL, comme tu l'as dit. Et j'espère que celle-ci aura l'adhésion de nos collègues. C'est vrai que tu as été élu la première fois, je crois, si je ne me trompe pas, en 2012. Oui. La personne, la candidate en face de toi, c'était Ségolène Royal, donc oui, ça a dû être un gros combat. Et dès 2013, tu as déjà posé une QAG, une question au gouvernement sur ce sujet-là, à Marisol Touraine, qui était ministre à l'époque. Donc oui, c'est vraiment une thématique que tu portes depuis tout le temps, depuis que tu es élu. Oui, c'est un des grands combats de ma vie et j'utilise combat de ma vie et combat de vie. Parce que je ne peux pas laisser dire, quand j'entends certains adversaires de l'aide active à mourir, dire que c'est un combat morbide, un combat funèbre. Non, c'est un combat pour la vie. C'est un combat pour la vie, vraiment. C'est-à-dire de faire en sorte que l'on puisse choisir sa fin de vie. Comme on a souhaité mener sa propre vie. Voilà, c'est le respect de l'individu, de sa capacité à déterminer ses choix et d'être finalement à l'unisson de la façon dont on a voulu mener sa propre vie. Donc c'est vraiment un combat de vie certes, qui aborde la question de la mort, et c'est toujours difficile, c'est parfois encore un peu tabou, mais qui a vocation à faire en sorte que notre vie soit menée du premier au dernier jour, comme nous l'avons souhaité, et avec notre propre conception de la dignité. On parle du droit de mourir dans la dignité. Moi, je respecte toutes les convictions, et on peut être contre l'aide active à mourir, c'est tout à fait respectable, évidemment, à condition qu'on respecte la vie des autres, mais c'est un droit en plus, qui n'est en aucun cas évidemment une obligation et qui ne retire rien aux autres. Donc je pense que chacun a sa propre conception de la dignité. En tout cas, moi, par mon expérience personnelle, j'ai pu voir combien parfois des fins de vie étaient considérées indignes par ceux qui les subissaient sans aucune réponse possible. D'accord. Merci Vitaly Timéric pour ton message. Merci. Oui, personnellement, je trouve que c'est une très belle thématique à aborder. C'est important de pouvoir en parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois que on a un sujet un peu commun, toi et moi, qui est le basket. Étant élu de Cholet, forcément ville de basket, qui je rappelle d'ailleurs samedi a gagné contre le Monaco, qui est premier en proie. Et donc Belle toi, tu as équipe, ouais. vraiment une proximité avec le basket. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est plus par le biais de mon grand-père, hein, ça ne rajeunit pas, mais qui dans les années 50 était le capitaine, l'entraîneur de l'équipe de La Rochelle, qui s'appelle Rupela, hein, du nom latin de La Rochelle, et qui à l'époque, tu parlais de Monaco justement,
était dans les 3-4 meilleures équipes nationales. C'était presque le Cholet de l'époque. Et donc les Rochelais, qui jouaient d'ailleurs au basket dans les années 50, en plein air, c'était les derniers à ce niveau-là. Hein. C'était la proie de l'époque qui n'était pas composée de professionnels, mais qui était la Nationale 1. Voilà, c'était une grande et belle équipe. Donc moi, j'ai baigné dans cet univers-là de mon grand-père et de sa passion pour le basket. Et j'en ai gardé effectivement un grand attrait. Alors c'est vrai qu'à La Rochelle, on est plus fort en rugby qu'en basket. On est très fort en rugby, hein, on est deuxième au top 14. Mais on est pas mal en basket et aujourd'hui en plus on est d'autant plus fort que le Stade Rochelet Rugby s'est associé avec Rupella et donc maintenant il y a Stade Rochelet Basket et Stade Rochelet Rugby. Donc j'espère qu'un jour on pourra rivaliser avec Cholet. Nous, autant au basket, il est vrai, on a la chance d'être en proie depuis de nombreuses années avec en plus un très bon centre de formation, certainement le meilleur de France. Par contre, c'est vrai qu'au rugby par rapport à La Rochelle, on est extrêmement loin, mais bon, qui sait? Qui sait. Alors, une question de Vitality Myrick. Y a-t-il une différence entre la PPL française et ce qu'il y a actuellement en Suisse? Oui, il y a des différences très notables. En fait, la proposition de loi que j'ai déposée, alors je l' ai déposée en octobre 2017, hein, je veux le préciser, que chacun sache que un député, il peut déposer quand il le souhaite une proposition de loi, mais la grande difficulté, c'est pas de la déposer, c'est de la faire inscrire à l'ordre du jour. Et donc, je l'avais déposée en octobre 2017, cette proposition de loi. À l'époque, j'étais député non inscrit. Donc, étant non inscrit, on ne bénéficie pas de ce qu'on appelle les niches parlementaires, hein, puisque jeudi 8 avril, ce texte sera étudié dans une journée qui est réservée à un groupe parlementaire qui peut inscrire les textes de son choix. Donc, d'où l'explication de ce délai important entre le dépôt et l'étude du texte. Sur le fond, maintenant, mon texte de loi, qui sera d'ailleurs, qui ne sera plus et qui n'est plus déjà uniquement mon texte, mais qui sera le texte de tous les députés qui le soutiendront et qui le voteront, il se base sur la loi belge et pas sur la loi suisse. Effectivement, la Suisse propose ce qu'on appelle le suicide assisté. Le suicide assisté, c'est de permettre à une personne qui le souhaite, qui souhaite partir. Ça a été le cas d'ailleurs d'une ancienne ministre il y a un mois, de Lionel Jospin, qui était contre d'ailleurs l'euthanasie et le suicide assisté. On avait eu des débats, on avait eu de longs débats entre nous. J'avais échangé il y a quelques années à ce sujet-là. Elle était hostile à une évolution de la loi. Et puis malheureusement, la maladie l'a frappée, une maladie neurodégénérative, héréditaire par ailleurs, c'est-à-dire qu'elle avait connu ces atrocités chez ses grands-parents et chez ses parents, et donc ben, elle n'a pas pu avoir accès à une aide active à mourir en France, parce que ça ne correspondait pas aux critères de la loi française. Et donc en Suisse, on peut, par le biais d'une association, et par aussi, il faut le dire, de l'argent, parce que c'est aussi un motif très fort d'inégalité. Il faut payer pour avoir droit au suicide assisté en Suisse. Donc c'est la personne qui ingère elle-même un produit létal. Moi, mon texte, il s'inspire de la loi belge. Alors la loi belge, elle est très différente. Elle propose l'euthanasie dans un cadre médicalisé, géré par l'État, et sur la base de critères extrêmement précis. Donc voilà, il y a une différence notable. D'un côté, un suicide assisté pour des personnes qui souhaitent partir, et puis la loi belge où on a une euthanasie qui est proposée à condition de remplir un certain nombre de critères, de conditions précises. Et c'est sur cette base-là, sur cette expérience-là aussi de 20 ans, parce que ça permet d'avoir un recul nécessaire sur ce que font nos voisins, que je me suis, que j'ai écrit cette proposition de loi avec un certain nombre de collègues. Justement, il y a Bitroute qui rebondit sur tes propos et qui demande quels sont les critères justement pour pouvoir avoir un suicide assisté. Alors,
dans ma proposition de loi, pour pouvoir bénéficier d'une assistance médicalisée active à mourir. Ça veut dire soit d'une euthanasie, c'est-à-dire là, c'est le médecin et uniquement un médecin qui peut procéder à cet acte, soit le suicide assisté, donc comme j'ai dit, là, c'est le malade. Il faut, j'allais dire, remplir, pour faire simple et résumer, deux conditions. D'abord, être atteint d'une affection grave et incurable. Voilà, premier critère. La loi ne dit pas, voilà, j'ai envie de mourir, je suis dépressif, voilà, la vie m'est insupportable. Non, non. Il faut évidemment rentrer dans un certain nombre de critères. Donc le premier, c'est une affection grave et incurable. Et la deuxième, ce sont des souffrances physiques et psychiques qui ne peuvent être apaisées ou qui sont jugées insupportables par le malade. Et donc c'est l'addition de ces deux conditions qui permettent au malade de demander un acte d'euthanasie. Euthanasie, souvent le mot est utilisé par nos adversaires pour faire peur. Je rappelle qu'euthanasie en grec, ça veut dire belle mort, mort douce. Et moi, c'est ce que je souhaite pour mes concitoyens, c'est qu'ils puissent choisir une belle mort, une mort douce, dans certaines conditions évidemment, mais je pense que c'est le minimum de respect qu'on doit aux gens en fin de vie. D'accord. J'ai une autre question. Donc, si le texte est adopté, quand sera-t-il appliqué? Est-ce que tu pourrais aller plus loin? Quelles sont les différentes étapes? Enfin, c'est commission, puis Assemblée nationale. Est-ce que tu peux reprendre un peu les étapes et éventuellement les dates? Oui, alors demain, la commission des affaires sociales qui est compétente sur le sujet se réunit. Donc à l'occasion de cette réunion, un certain nombre d'amendements seront déposés. Certains seront sûrement adoptés. J'espère que le texte sera adopté par la commission. Donc ensuite, nous irons en séance dans l'hémicycle le 8 avril sur la base du texte qui aura été adopté ou pas. Et avec les amendements qui auraient été votés. Donc le 8, ben, les députés se prononceront sur le texte. Si c'est non, ben, voilà, le processus sera arrêté, il sera morné. Si le texte est voté, il faudra ensuite, puisque vous savez qu'il y a le processus de ce qu'on appelle la navette parlementaire entre les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc le texte devra être étudié au Sénat. S'il n'y a pas d'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il y aura une commission mixte paritaire qui réunit quelques députés et quelques sénateurs. Voilà le processus. Et puis, ben, s'ils ne se mettent pas d'accord, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Mais en espérant que, au moins en commission mixte paritaire, il puisse y avoir un accord sur ce texte. Mais j'allais dire, la condition première, c'est évidemment que le texte soit voté le 8 avril. Et j'ai la conviction que s'il est voté le 8 avril, on aura un mouvement qui sera irréversible et que d'une manière ou d'une autre, la loi française bougera, que ce soit dans un mois ou dans 6 mois. Simplement, les Français qui aujourd'hui sont dans la souffrance ne peuvent plus attendre. N'hésitez pas à poser vos questions et moi je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, Olivier, il fait pas partie du même groupe que le mien. Moi, je suis le groupe La République En Marche. Olivier, c'est Liberté des territoires, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et globalement, Olivier fait partie de l'opposition. Néanmoins, je crois que sur des sujets tels que celui-ci, il n'y a pas de majorité d'opposition. Je crois qu'il y a juste une analyse philosophique, une réflexion individuelle de chacun. Quant à la vision qu'on peut avoir de la fin de vie qu'on peut donner. Et je reste persuadé que globalement, le texte va avoir un très beau débat à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, j'en profite de mon côté pour avoir une pensée aussi à quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sujet au sein de notre groupe politique, qui est Jean-Louis Touraine, que tu connais parfaitement. Je l'avais au téléphone il y a un quart d'heure. D'accord. Et de mon côté,
J'ai cosigné l'ensemble de ces amendements. Donc, par contre, il y a un risque, et ça, c'est vraiment un risque, c'est que dans le cas de ta PPL, on n'a qu'une journée pour que ça passe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que si à minuit, on n'a pas fini, malheureusement, c'est reporté. Donc, on a un vrai sujet qui consiste à prendre le temps pour débattre sur ce texte qui est quand même extrêmement important, et en même temps, avancer suffisamment vite pour pas qu'il se retrouve bloqué à cause de manque de temps. Oui, comme tu dis, alors c'est vrai que je suis membre d'un groupe d'opposition, parce qu'à l'Assemblée nationale, il faut se déterminer, groupe d'opposition, groupe de majorité. Moi, j'ai toujours été libre. Ça fait 10 ans que je suis parlementaire, je n'appartiens à aucun parti. Je suis proche du Parti radical de gauche, hein, ce parti héritier de Georges Clemenceau, de Michel Crépeau, qui a été maire de La Rochelle et qui, aujourd'hui même, est décédé, vous le savez, il y a 22 ans dans l'hémicycle en posant une question au gouvernement, il y a 22 ans, le 30 mars. Donc je suis héritier de cette tradition de la gauche républicaine et laïque. Et justement, je crois que ce texte, c'est le symbole d'un sujet qui est totalement transpartisan, totalement. Moi, je travaille tous les jours avec des collègues, qu'ils soient de La République En Marche, et nous sommes effectivement très mobilisés avec notamment Jean-Louis Touraine, qui est le fer de lance à La République En Marche sur ce sujet, mais avec beaucoup d'autres collègues qui se sont déjà engagés pour soutenir le texte, avec des collègues de tous les groupes politiques, hein. Moi, j'ai des soutiens sur ce texte de collègues qui sont membres des 9 groupes parlementaires de l'Assemblée. Il y a 9 groupes à l'Assemblée il y a des collègues de ces 9 groupes qui ont signé la proposition de loi ou qui seront prêts à la voter. Donc, on travaille tous ensemble. Au-delà des clivages, on peut avoir des désaccords sur plein d'autres sujets, mais là, il y a un objectif commun. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est plus ma loi. C'est notre loi de tous ceux qui veulent la porter. Il y a Leusibius qui pose une question. Quelle est la ligne de clivage sur le sujet à l'heure actuelle? Je n'arrive pas à déterminer un groupe politique social significatif qui pourrait être contre actuellement, mais je me trompe peut-être. Ben non, vous ne vous trompez pas. c'est même, vous savez, les grands sujets de société comme celui-ci, en France, souvent, ils sont abordés dans des situations de fracture, de clivage très fort. Regardez 1974, l'autorisation de l'IVG. 1980, l'abolition de la peine de mort. Ce sont des grandes réformes sociétales et qui étaient tout sauf consensuelles dans l'opinion publique, mais ce sont des présidents de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avec Simone Veil, François Mitterrand, avec Robert Badinter, qui ont décidé de mener des grandes réformes, mais qui ne faisaient pas consensus, loin de là. Même, je pense qu'il y avait une majorité de Français, à l'époque, qui étaient hostiles à l'abolition de la peine de mort, et sur l'IVG, c'était plus que partagé. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que dans l'opinion publique, je ne vais pas dire qu'on a un quasi-consensus, mais presque, parce qu'aujourd'hui, les Français ont fortement réfléchi et malheureusement eu affaire à des problématiques liées à la fin de vie. Je veux dire, malheureusement, chacun et chacune d'entre nous a été ou sera confronté dans sa famille, avec ses proches, à des fins de vie particulièrement douloureuses. Donc les Français, ils ont réfléchi, ils s'interrogent dans leur fort intérieur, mais aussi avec leurs amis, sur ce qu'ils souhaitent de leur fin de vie. Et à chaque enquête d'opinion, et je vais vous citer la dernière qui a été faite en mars 2019, on leur a posé une question très claire. Êtes-vous favorable au droit à l'euthanasie? Voilà, la question ne peut pas être plus claire, plus simple, en utilisant même le mot euthanasie, qui, je vous disais, fait peur certains, alors que ça veut dire belle mort, eh bien 96% des Français, vous m'entendez bien, 96% des Français se disent favorables à l'euthanasie. Alors ça ne veut pas dire que 96% des Français veulent se faire euthanasier, loin de là. Et vous savez, en Belgique, c'est 4% des décès d'euthanasie, hein, depuis 20 ans. C'est-à-dire que c'est un droit qui est permis à quelques personnes,
dans un certain nombre de conditions. Il n'y a pas eu une prolifération des dérives absolues depuis 20 ans en Belgique. Donc c'est vraiment un point à souligner. Mais ce droit doit être proposé et permet de soulager évidemment des fins de vie insupportables. Et quand 96% des Français se disent favorables, eh bien, on peut se dire que, j'allais dire, les responsables politiques, et notamment les représentants de la nation que nous sommes, toi et moi, Denis, eh bien, nous devons être à l'écoute. Les représentants de la nation doivent être à l'écoute de la nation. Et si je peux me permettre cette expression, la nation, elle ne supportera pas plus longtemps la procrastination. Ça veut dire reporter toujours au lendemain, parce que c'est pas le moment. On nous avait dit au moment des lois bioéthiques, il faut attendre une PPL pour parler de la fin de vie. Soit, la PPL, elle est là. Maintenant, certains disent, c'est pas par le biais d'une PPL qu'il faut aborder le sujet, sauf que les trois précédentes lois sur la fin de vie étaient des PPL. Donc, à un moment, il faut qu'on y aille. Et je crois qu'effectivement, le temps est à l'action et pas à la procrastination. Oui. Après, l'Assemblée nationale est souveraine. Oui. Il suffit qu'il y ait une majorité qui vote pour et puis ça va passer à la prochaine étape. Donc, absolument. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais des remontées que j'ai, globalement, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il y a globalement plus de personnes qui ont l'air d'être pour que contre. Tu veux dire dans l'Assemblée ? Oui, exactement. Oui, alors, moi, j'ai une certitude sur le 8. Enfin, sur le 8. Non, pas sur le 8, mais aujourd'hui, sur l'Assemblée nationale. C'est qu'il y a une majorité de députés qui est favorable. Ça, c'est incontestable. Il risque d'y avoir... Alors, d'abord, il faut que les collègues soient là. Il faut aussi que on ne soit pas paralysé par la volonté d'une ultra-minorité de députés de faire ce qu'on appelle de l'obstruction parlementaire. Et ça, ce serait un scandale, un vrai scandale. Est-ce que tu sais si ta PPL elle passe en premier? Parce que je rappelle qu'il y a plusieurs propositions de loi qui passent dans la journée et elles se suivent. Donc forcément, oui. Des fois, on a du mal à finir. Est-ce qu'elle passe en première, ta proposition? Alors, elle est inscrite en deuxième position parce que la première est une loi sur les langues régionales et qui a fait consensus entre l'Assemblée et le Sénat. Donc théoriquement, je dis bien théoriquement, elle devrait être adoptée très rapidement parce que c'est un vote conforme. Voilà, donc on devrait pouvoir rentrer dans le vif du sujet assez vite durant la journée de jeudi, c'est en tout cas ce que j'espère. Mais ce que j'espère aussi, c'est que certains collègues ne se livreront pas à l'exercice insupportable qui est de tout faire pour que les députés ne puissent pas voter pour ou contre un texte. Soit on est pour, soit on est contre. On dépose, si on est contre, des amendements de suppression. Mais on ne fait pas de l'obstruction parlementaire à parler à tort et à travers pour empêcher qu'un texte aille jusqu'au bout. Ça, ce serait catastrophique pour eux, parce que je rappelle les chiffres, hein, 96% des Français, et ces Français, ils vont regarder ce qui se passe à l'Assemblée. Et puis catastrophique pour l'image du Parlement, si ça devait se produire. Voilà, mais je suis convaincu qu'il y a une majorité potentielle aujourd'hui à l'Assemblée, c'est clair. Je reviens sur le chat, là, j'ai une petite famille de questions entre Hurlemort et ILO99. Je vais essayer d'en faire un peu une synthèse, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui en France des entités politiques, des lobbies ou éventuellement certains représentants de religions qui sont vraiment farouchement opposés à cette proposition de loi que tu portes ? Alors, il y a effectivement il y a quelques associations, mais qui sont engagées aussi sur des combats anti-IVG, contre le mariage pour tous, et qui, aujourd'hui affirment leur opposition. D'ailleurs, je les ai auditionnés, hein, dans le cadre du travail préalable à l'étude de ce texte. Mais bon, qui sont ultra minoritaires, qui ne représentent pas grand monde. Ce qu'on peut constater, c'est encore certaines réticences chez une partie des médecins, que je peux comprendre parce qu'ils ont été formés, notamment de l'ancienne génération, parce qu'ils ont été formés avec un autre esprit. Quand ils étaient à l'école de médecine, on leur disait...
il y a 20 ou 30 ans, bah, il faut sauver à tout prix. Alors oui, un médecin, c'est là pour soigner, pour guérir, pour sauver. Mais maintenant, on a acté, et ça, c'est une des grandes avancées des lois précédentes, on a acté que l'acharnement thérapeutique, que l'obstination déraisonnable n'était plus acceptable. Et donc, c'est vrai que pour certains médecins, voilà, ça reste encore un peu tabou. Il va de soi, je tiens à le préciser, que la loi intègre une clause de conscience. C'est-à-dire que un médecin ne sera pas tenu, si le dispositif d'assistance médicalisée active au décès est adopté, aucun médecin ne sera obligé de pratiquer une euthanasie. Il y a la clause de conscience, comme il y a eu la clause de conscience pour l'IVG. La seule obligation pour le médecin, en revanche, c'est d'indiquer au malade demandeur d'indiquer le nom d'un médecin qui lui accepte de pratiquer l'euthanasie. Mais évidemment, il y a aujourd'hui encore des réserves chez certains médecins, je serais tenté de dire surtout chez ceux qui n'ont plus vu un malade depuis très longtemps. D'accord. Tu as répondu en fait à la deuxième partie de la question de Bisroute, mais donc je vais te lire la première. Est-ce que le fait d'avoir cette possibilité de suicide assisté n'est pas justement l'expression ultime de la peur de l'homme face à une douleur qui techniquement fait partie de la vie humaine? Évidemment que la douleur fait partie de la vie humaine, mais tout dépend de ce qu'on appelle douleur. Moi, je parle de souffrance inapaisable, psychique ou physique, dans le cadre d'une maladie grave et incurable. Je parle pas d'une dépression, ou je parle pas d'un. Tu parlais du basket, d'un joueur de basket qui se casse le péroné ou le tendon d'Achille sur un terrain. Oui, il ressent une grande douleur physique. Il y a aujourd'hui beaucoup de Français qui ressentent une grande douleur morale liée à ce que nous vivons. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de prendre un certain nombre de situations, de personnes qui sont confrontées à ce qu'on appelle une impasse thérapeutique. Hein. La réalité, elle est celle-là. Hein. Quand un médecin dit à un malade, nous allons vous mettre dans une unité de soins palliatifs, tout le monde a compris. Quand on va en soins palliatifs, voilà, comme son nom l'indique, c'est l'antichambre du décès, parce qu'il n'y a plus de solution thérapeutique. Et donc, dans ces situations-là, quand on sait qu'il n'y a aucun espoir de guérison, quand il y a des souffrances qui sont inapaisables, et les soins palliatifs, je le dis et je le redis, hein, ne sont pas opposés à l'aide active à mourir, loin de là. Ça doit constituer deux options possibles, voire même un parcours. On peut être en soins palliatifs et puis à un moment, on n'en peut plus et on doit pouvoir avoir accès à l'aide active à mourir. Mais il ne s'agit pas de dire, dès qu'il y a une souffrance, dès qu'il y a une douleur, on demande une euthanasie. C'est absolument pas ça. C'est pas du tout ce qui se pratique en Belgique. Hein. Je rappelle qu'en Belgique, c'est 4% des décès qui sont issus, qui sont des euthanasies. Voilà, 4% des décès en Belgique sont des euthanasies. Donc ça veut dire 96% qui n'en sont pas. Donc voilà, c'est très encadré, c'est très surveillé. Mais je crois qu'à un moment, il faut aussi ouvrir les yeux sur les agonies que subissent encore beaucoup de Françaises et beaucoup de Français dans notre pays. Et on est dans une logique hypocrite du laisser mourir. C'est en gros, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes gravement malade, vous n'avez aucune chance de survie, on ne peut pas apaiser vos douleurs. Et on vous dit, bah écoutez, on va vous faire une sédation profonde, on va arrêter l'hydratation, on va arrêter la nutrition. Et puis, bah, avec un peu de chance, vous allez mourir dans 5-6 heures, mais ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Franchement, est-ce que ça, c'est une solution proposée digne du 21e siècle? Non, je pense vraiment que non. Et puis avant d'aller sur la question de VPDLK, moi je voulais aussi rebondir sur tes propos. C'est des moments qui sont difficiles pour la personne qui est malade,
Mais c'est aussi des moments qui sont difficiles pour la famille de la personne malade. Tout C'est à fait. jamais facile de voir une personne qu'on aime, éventuellement son père, sa mère, ses grands-parents, son frère, être je dirais, en face de la mort lors de ses derniers jours en pleine souffrance. Je crois qu'il faut aussi prendre la vision globale en compte et non pas uniquement la vision de la personne concernée. Tout à fait, parce que c'est aussi, vous savez, il y a des rites de passage et il y a des rites de départ. D'ailleurs, parfois on dit, mais pourquoi vous parlez de la mort dans une période où il y a la crise sanitaire, où il y a des morts tous les jours? Mais je suis désolé, au contraire, cette question, elle se pose plus que jamais. La question de notre conception de la vie, de la conception de la mort et de la façon dont partent nos concitoyens, elle se pose plus que jamais. On a vu, malheureusement, des malades du Covid mourir seuls parce que les proches ne pouvaient pas rentrer à l'hôpital, ne pas pouvoir, les proches ne pas pouvoir assister comme ils le souhaitaient aux funérailles. Voilà, on a eu des malades qui sont partis. Voilà, qui sont partis dans la solitude. Donc la question de l'humanité de la fin de vie, elle se pose plus que jamais aujourd'hui. Simplement, je crois qu'il y a une dimension importante dans l'acte d'euthanasie. Vous savez, les Belges, les médecins belges, ils parlent de l'ultime soin. Voilà. Parce qu'ils considèrent que à certaines étapes de la thérapeutique, quand il y a une impasse, eh bien, l'honneur du médecin, c'est d'offrir cet ultime soin, cette délivrance. Et de permettre aussi que cette fin, elle se passe au moment choisi, avec les proches, et dans, j'allais dire, dans la douceur, si je peux utiliser ce mot, et il est adapté, je crois. Parce que la réalité, c'est que dans ce pays, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes âgées qui se suicident très violemment. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Et notamment des personnes âgées qui se savent atteintes de cancer et qui voilà, ont peur d'affronter l'avenir parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas s'ils pourront être accompagnés dignement jusqu'à la fin. Parce que l'euthanasie, le droit à l'euthanasie, ça rassure. Vous savez, en Belgique, il y a 3 rendez-vous sur 10 pour une demande d'euthanasie qui aboutissent. C'est-à-dire qu'il y en a 7 sur 10 qui, pour une raison ou pour une autre, renoncent au dernier moment. Soit parce que les soins palliatifs, finalement, arrivent à apaiser leur douleur, ou parce que, finalement, ils estiment que l'heure n'est pas venue. Donc, voilà, c'est un droit offert, mais quand la possibilité est donnée à une personne de partir, eh bien, elle peut le faire entourée de ses proches, de façon sereine et avec une mort douce, comme le signifie l'étymologie du mot euthanasie. J'ai deux questions extrêmement intéressantes. On va commencer par celle de VP Delca et puis après on ira sur celle de Amir Gon. Donc VP Delca te dit, voilà, question délicate. On reconnaît de plus en plus les maladies mentales comme de vrais handicaps, incapacitants et autodestructeurs. Est-il pensable de reconnaître la maladie mentale comme une condition thérapeutique justifiable pour demander la mort dans la dignité? Clairement non, même si c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, comme vous le dites, c'est une question très délicate, hein, parce que, il y a de vraies souffrances, d'énormes souffrances, mais on n'est pas dans la dimension de la maladie, j'allais dire, grave et incurable. On est dans un autre aspect, effectivement. Qui mérite d'être regardé. Effectivement, je concède que c'est un vrai sujet, mais qui n'est pas partie prenante de la loi que je défends, parce qu'elle ne répond pas aux conditions qui sont posées pour pouvoir accéder
à cette assistance médicalisée au décès. Donc non, la maladie mentale n'entre pas dans le cadre de la loi telle qu'elle est écrite. D'accord. Et donc là, enfin, je vais maintenant sur la question de Amir Gon. Dans le cas où la personne est dans l'incapacité d'exprimer son avis, la Oui. décision pourra-t-elle être prise par le corps médical ou la famille, ou seul MAD peut exprimer son souhait d'euthanasie? Donc, je te laisse certainement aborder la question, enfin, le sujet de la personne de confiance. Absolument, absolument. Ça, c'est très important. Bon, il y a en fait cette loi, elle est très simple, hein. L'article premier, c'est ce qu'est une assistance médicalisée au décès. L'article 2 et l'article 3 abordent deux situations. La personne est en état de s'exprimer en fin de vie. Elle dit de façon réitérée, de façon libre, éclairée, réfléchie, explicite, pour reprendre les termes de la loi, et de façon donc réitérée, je le dis bien, son envie d'accéder à l'euthanasie. Donc voilà. Et donc le médecin en est informé. Il consulte deux autres collègues. Donc c'est une décision collégiale qui vérifie que ça s'inscrit dans le cadre de la loi. Hein, c'est la volonté du patient qui prime. Le collège médical, il vérifie que la loi est respectée. Si elle ne l'est pas, il y a refus. Si elle l'est, donc évidemment, il y a l'acte d'euthanasie. Et il y a une autre hypothèse, malheureusement, qui existe aussi, c'est quand la personne n'est plus en état de s'exprimer et de faire part de son souhait. D'où l'importance de ce qu'on appelle les directives anticipées d'une part, de la personne de confiance d'autre part. Les directives anticipées, c'est quoi? C'est rédiger une forme de testament, en tout cas un message clair indiquant que eh bien, vous ne souhaitez pas un acharnement thérapeutique et que vous souhaitez, dans le cas d'une maladie grave et incurable avec souffrance inapaisable, que vous souhaitez bénéficier d'une aide médicalisée active au décès. Alors pour l'instant, ce n'est pas possible. Les directives anticipées existent déjà pour pouvoir bénéficier de la sédation profonde et continue, ce qui, à mon avis, est loin d'être un progrès. Et justement, c'est une solution que j'estime hypocrite, parce que c'est le laisser mourir. C'est le laisser mourir. Alors qu'on sait que l'issue est irréversible, mais on laisse mourir quelqu'un à petit feu. Alors que l'acte d'euthanasie permet une mort douce et rapide. Et donc, les directives anticipées permettent effectivement d'exprimer la volonté du patient quand il sera dans une situation dramatique comme celle-là. Et l'autre aspect, c'est la personne de confiance, c'est-à-dire que vous désignez une personne qui portera votre parole. Bah, au moment où la question se posera et où vous ne pourrez plus vous-même l'exprimer directement. Donc voilà, c'est le deuxième aspect, c'est respecter la volonté du patient, même quand il n'est plus en état de le faire au moment précis, mais qu'il aura exprimé par écrit dans ses directives anticipées et en désignant une personne de confiance pour être fidèle à sa volonté. Et je crois que la personne de confiance a une spécificité, si je ne me trompe pas, dans ce que tu marques, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir d'intérêt au départ de la personne. Alors en fait, la personne de confiance, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que on peut désigner une personne de confiance de sa famille. Simplement, la décision collégiale, suite à la demande formulée par la personne de confiance, est faite en présence de deux personnes connaissant le malade et qui, là pour le coup, n'ont pas d'intérêt, entre guillemets, c'est assez sordide de dire ça, mais il faut préciser les choses, n'ont pas d'intérêt particulier au décès d'une personne. Évidemment, on pense bien pour des raisons
d'héritage ou que sais-je. Donc, cette collégialité, elle est élargie effectivement dans ce moment-là à deux personnes qui ne sont pas liées directement à des intérêts éventuellement pécuniers. Mais la personne de confiance peut néanmoins être le fils ou la fille, hein, c'est, dont on peut estimer qu'il pourrait avoir un intérêt voilà, éventuel. Bon, très sincèrement, on n'est pas dans la réalité, hein, malheureusement, hein, enfin, et heureusement, plus exactement, hein, on n'est pas dans ces situations sordides, mais c'est un verrou supplémentaire en cas de consultation de la personne de confiance, donc de cette collégialité qui décide en dernier ressort. D'accord. J'ai deux remarques. Alors, ce n'est pas des questions, c'est des remarques. Déjà, c'est Barge qui te souhaite beaucoup de courage et qui dit que tu n'as pas démérité. Donc, merci à toi pour... oui, alors, Barge, c'est un petit clin d'œil à un fameux tweet qui a défrayé la chronique en 2012, qui était signé VT. D'accord. Et après, j'ai Ayam Kotombol qui trouve extrêmement intéressant le débat qu'on puisse aborder ce type de sujet complexe. Ben, c'est vraiment l'objet, hein, c'est de pouvoir échanger sur des sujets techniques compliqués entre, d'une part, vous, les viewers, et nous, les députés, parce que je crois vraiment qu'il est nécessaire qu'on doit travailler à casser ce fossé qui est en train de se construire, malheureusement, entre les élus et les citoyens. Voilà, il faut vraiment qu'on trouve des outils. Je pense que Twitch est un bon outil pour avoir un échange direct. Moi, je voulais revenir... Tout à fait. C'est d'ailleurs la première fois. Hein. C'est une grande nouveauté. Je te remercie de m'avoir permis de découvrir ce nouveau mode de communication et d'échange qui est très sympa, qui permet d'être réactif. Et voilà, je découvre, hein, je découvre vraiment le format et je le trouve très, très agréable et puis très, très réactif. Voilà, c'est bien. Bravo d'avoir pris cette initiative. Et moi, je te remercie d'être venu et je veux aussi souligner quelque chose. Souvent, on dit que sur ce type de plateforme, c'est des réseaux sociaux, il y a beaucoup de haine, beaucoup de messages désobligeants. Là, on peut voir que ce n'est pas du tout le cas. On oui. remarque que ce sont des personnes qui sont extrêmement intéressées. Et moi, je tiens vraiment à souligner la qualité des personnes qui viennent sur le Twitch, sur ma chaîne, et qui vraiment veulent se construire une idée, veulent participer au débat. Et je trouve que c'est extrêmement important qu'on arrive à garder cette propreté d'échange, cette qualité d'échange. Et voilà, je veux vraiment remercier toutes les personnes qui sont d'ailleurs présentes depuis le début. Voilà, je vois effectivement, hein, vraiment la qualité des questions ou des interventions, des prises de position. Vous savez, parfois, moi le premier, je suis un peu réticent à aller sur les réseaux sociaux parce que parfois, sur Twitter, il y a vraiment de la haine, enfin... Le débat public, au bout de 2 minutes, il part dans des invectives, dans les insultes, etc. Donc, ça fait du bien d'avoir comme ça des moments d'échange et de débat où il n'y a pas d'insultes, où il y a des prises de position des uns et des autres, des questionnements. Et c'est bien de pouvoir y répondre directement, après, avec des convictions qui ne sont pas forcément partagées. Mais ça, c'est tout le plaisir du débat démocratique, c'est-à-dire qu'on échange sur des arguments. Sans s'insulter, sans se traiter de nom d'oiseau en permanence, mais en parlant de sujets, et notamment sur celui-là, qui est un sujet majeur, qui n'est pas un sujet facile, mais qui est un sujet majeur parce qu'il nous concerne tous. Tu m'as dit que tu avais déposé ta PPL dès 2017. Si je ne me trompe pas, tu l'as déposée à une date très particulière. Est-ce que tu peux revenir sur le sujet? Je pense que c'est intéressant et que c'est important que tu puisses en parler devant les viewers. Oui, effectivement, cette loi, elle a été déposée le 2 octobre 2017 et cette date n'est pas le fruit du hasard. En fait, comme vous le savez, je suis député de la Charente-Maritime, de La Rochelle, et dans mon département, il y avait une écrivaine, je parle hélas au passé, qui s'appelait Anne Baird, a été atteinte de la maladie de Charcot, dont on connaît le processus irréversible et cruel, et qui voilà, connaissait son sort
et qui avait décidé de demander l'euthanasie le moment venu lorsque la vie lui deviendrait insupportable. Mais cette femme, cette écrivaine, a eu le courage d'en faire aussi un combat. Elle aurait pu voilà, rester avec ses proches, partir en Belgique et ne pas en parler. Elle a voulu en faire un combat. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le tout dernier été. Et je l'ai rencontrée plusieurs fois. Nous étions dans le même département, je l'ai dit. Et nous avons beaucoup échangé. Elle savait mon combat sur la fin de vie depuis des années et des années. Comme tu l'as dit, ma première question au gouvernement, à peine élue en 2012, avait été sur ce sujet. Et donc, elle était venue me voir et elle m'avait demandé de continuer à agir. Et je lui avais promis, évidemment. Et avant de partir, je lui avais dit, bah, écrivez-moi un texte que je mettrai dans l'exposé des motifs. Parce que vous savez, dans une loi, il y a le texte juridique et avant, il y a ce qu'on appelle un exposé des motifs, qui est une petite présentation du texte. Et plutôt que de faire 10 pages d'explications un peu techniques, je lui ai demandé d'écrire. C'est une écrivaine qui a du talent. Et voilà, elle m'a fait bah, une sorte de préface. Hein. L'exposé des motifs est une sorte de préface où elle explique les raisons de son combat. Et comme elle savait, puisqu'elle l'avait décidé le jour où elle décéderait, elle a été obligée elle aussi de s'exiler en Belgique pour cela. Eh bien, j'ai déposé symboliquement, comme elle me l'avait dit, ce texte à l'Assemblée nationale le jour où elle nous quittait en Belgique. Là, je l'ai devant les yeux, là, l'exposé des motifs, c'est-à-dire que ces deux pages qui sont là, si je comprends bien, c'est elle qui l'a construit en fait. Oui, tout à fait. C'est elle qui l'a écrit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre sur le chat le lien pour que vous puissiez prendre connaissance de la proposition de loi d'Olivier, justement ben, pour prendre connaissance de ces deux pages-là. Donc, c'est la numéro 288, on va mettre ça sur le chat. Moi, j'avais beaucoup aimé, enfin, je ne vais pas te mentir, hein, je n'ai pas lu son livre, je n'ai pas eu le temps, et d'ailleurs, je vais le commander pour lire, mais j'ai regardé un peu ce qui était dessus, et je trouve qu'il y avait une belle phrase là que je me suis notée. J'aime trop la vie pour me laisser mourir. Et je trouve que cette phrase, en fait, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin, une dizaine de mots, elle a vraiment synthétisé le pourquoi il faut qu'on vote cette PPL, en fait. Ben, en fait, les grands esprits se rencontrent, puisque c'est l'exergue, la phrase que j'ai mise dans l'avant-propos de mon rapport parlementaire qui sera rédigé à l'issue de nos travaux de commission. Voilà, c'est la citation que j'ai mise. Que j'ai mis en exergue de mon rapport, parce que comme tu l'as dit, j'aime trop la vie pour me laisser mourir. Ça montre bien que j'ai commencé par ça en disant que c'est un combat pour la vie. Combat pour la vie. J'aime trop la vie. Le combat que nous menons, c'est parce que nous aimons la vie. On n'est pas. Voilà, moi, j'adore la vie. J'espère vivre le plus longtemps possible, mais pas dans n'importe quelles conditions. Voilà. Et c'est un combat pour la dignité de la vie, pour le respect du droit de chacun. Et quand on dit j'aime trop la vie pour me laisser mourir, effectivement, quand on aime la vie, à un moment, il n'est plus supportable d'endurer des agonies interminables et sans espoir. Voilà. Donc c'est effectivement une très belle phrase. Super, ben, je te remercie. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Mais de toute façon, on arrive à l'heure qu'on s'était fixé. Voilà. Moi, je tiens vraiment à te remercier encore une fois, Olivier, pour deux choses. Le premier, c'est peut-être le moins important, c'est celui d'être venu ce soir. Et le second, c'est le plus important, c'est celui d'être saisi de ce sujet-là, de l'avoir apporté jusqu'au bout et de le pousser pour qu'on puisse s'en saisir au sein même de l'Assemblée nationale. Voilà, moi, je serai présent, donc je ne fais pas partie de la même commission que toi, donc la présence en commission n'est pas justifiée, parce que de toute façon, je ne peux pas voter. Mais par Non. contre, je Et serai puis tu présent. pourrais même pas rentrer vu les conditions sanitaires aujourd'hui qui voilà, sont très restrictives. Donc Exactement. seuls les membres de la commission et encore pas tous peuvent accéder à la salle. Mais par contre, je compte sur toi évidemment le 8 avril.
J'ai réservé ma journée en espérant qu'on puisse en arriver au bout. Hein. Tu l'as abordé, le J'espère. sujet, le risque qu'il y ait une obstruction parlementaire, hein, donc qu'il y ait des députés qui sont opposés et qui, sachant probablement qu'ils sont minoritaires, essaieraient de faire traîner le sujet pour qu'on puisse pas voter la PL à la fin. C'est le vrai risque et ce serait franchement une honte. Une honte. Je crois que, enfin, là, en parlant politique, je crois qu'ils auraient beaucoup à perdre à faire ça. Donc, Oui. je ne suis pas persuadé qu'ils arrivent jusque-là et j'espère pas qu'on arrivera jusque-là. Parce que je Je pense l'espère que aussi. tu seras le premier, mais je serai derrière toi quelque part pour pointer cette stratégie qui n'est pas du tout républicaine et pas du tout, comment dire, en adéquation avec la vision que j'ai la démocratie, qu'on a de la démocratie et de la République. Absolument. Quand on est réunis dans l'hémicycle, on est là pour défendre des convictions. Quand on est majoritaire, on obtient gain de cause. Mais quand on est minoritaire, on ne doit pas empêcher, effectivement, la majorité de l'hémicycle de pouvoir s'exprimer. Voilà. Donc, quand on est contre, c'est tout à fait respectable. On dépose des amendements de suppression des articles, mais on ne mène pas des mesures dilatoires pour faire durer le débat, pour empêcher finalement les députés de voter sur un texte. Donc voilà, ça, ce serait une attitude inacceptable. Moi, je respecte toutes les convictions sur ce sujet, évidemment. C'est une question de conscience. Chacun devra se déterminer en âme et conscience, justement. Et j'espère que le débat parlementaire sera, j'allais dire à la hauteur du débat que nous avons eu ce soir, c'est-à-dire avec vraiment des questions et des prises de position particulièrement riches et de très bon niveau. Donc voilà, j'ai été ravi de participer à cet échange. Merci. Oui, en effet, Hurlemort, tout le monde peut y assister. Hein. Les travaux sont faits de façon complètement transparente. D'ailleurs, que ce soit et en commission et au sein même de l'hémicycle, il suffit d'aller sur le site de l'Assemblée nationale dans l'onglet, je crois, vidéo. Et en fait, on peut voir tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que tous les travaux qui sont menés sont visibles. Par exemple, la semaine prochaine, enfin demain, moi, je suis en commission des affaires étrangères. Et voilà, vous pouvez voir les différents échanges qu'il y a. C'est important que notre démocratie soit faite de façon transparente et que chaque citoyen puisse voir en direct les échanges. Mais après, je rappelle que tous les échanges aussi sont retransmis noir sur blanc. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur Internet toutes les interventions que Olivier ou moi-même avons eues depuis le début du mandat. Et je crois que c'est extrêmement important. Et ça, parfois, on a tendance à l'oublier que tout est transparent et tout est ouvert. Et j'espère aussi que LCP diffusera non pas la totalité du débat, mais en tout cas les parties les plus importantes. Hein, sur un sujet pareil, j'espère que la chaîne parlementaire aussi contribuera à permettre aux citoyens de voir ce qui se dit le 8 avril. D'accord. Et de mon point de vue sur le 8 avril, en fait, il faut savoir qu'avec la pandémie, il est souhaité qu'il n'y ait qu'un député sur deux au sein même de l'hémicycle pour éviter, pour assurer les gestes barrières. En fonction du nombre, je ne sais pas si moi je pourrais y aller ou pas pour une partie du débat, ou du moins pour la première partie qui est l'expression de chaque groupe politique. Il n'est pas exempt que si malheureusement je ne peux pas aller dans l'hémicycle pour les débats, mais j'irai quand même pour voter à la fin, et ça c'est extrêmement important, que je puisse éventuellement rediffuser ce qui se passe sur ma chaîne Twitch. Voilà, ça sera soit sur ma chaîne Twitch, soit directement sur le site de l'Assemblée nationale. Alors effectivement, on a ces contraintes sanitaires, mais en règle générale, qui ne posent pas trop de problèmes, parce qu'il y a des positions de groupe définies. Voilà. Là, chaque député se prononce en son âme et conscience. Donc c'est un peu plus compliqué à organiser, parce que évidemment, là, il n'y a pas de consigne de groupe, il n'y a pas de consigne de vote. Donc voilà, j'espère que les contraintes sanitaires n'empêcheront pas l'expression la plus démocratique possible le 8 avril. Exactement. Après, la possibilité qu'on a, et ça c'est important, c'est qu'on peut demander une délégation. Il y a Oui. quelqu'un qui peut voter pour nous, donc un député peut porter une délégation. Maintenant, il faut aussi, dans ce cas-là présent, trouver le député qui vote comme nous, Voilà. ce qui nécessite à chaque député de faire l'effort de trouver un collègue ou une collègue présent ou présente qui puisse faire la démarche.
Voilà, mais moi, je suis très attaché sur ce sujet-là. Je crois qu'on est très nombreux parmi les députés à être très intéressés sur ce débat-là. Donc, il est fort probable qu'il y ait beaucoup de collègues députés le 8 avril au sein même de l'hémicycle. Je l'espère de tout cœur et surtout des députés favorables à cette évolution. Super, ben, je te remercie Olivier de t'être Merci. prêté au jeu. Moi, je vais dire juste aux viewers de rester parce qu'on va aborder d'autres sujets. Voilà, mais voilà, merci Olivier pour le temps que tu as passé et bon courage parce que là, tu vas avoir 2 semaines extrêmement chargées, que ce soit au Absolument. sein même de l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau des médias. J'imagine que tu es beaucoup sollicité en ce moment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pour la bonne cause. Et merci à Super. tous. Merci à Merci, toutes au et à revoir. tous. Au revoir. Merci à vous tous d'avoir été présents. C'est un vrai plaisir. Et encore, je vous remercie une nouvelle fois. Le chat est vraiment un chat parfait. Vous êtes géniaux. J'ai pas d'autres termes. Vraiment, des vrais sujets, des vraies questions. Aucune remarque désobligeante. Voilà, ça prouve bien que vous êtes. Que vous, quoi, que, contrairement à ce que je peux entendre partout, il y a plein de gens de grande qualité sur les réseaux sociaux et que c'est souvent la minorité qui fait beaucoup de bruit. Moi, je voulais voir avec vous pour la suite. Déjà, je vous rappelle que la semaine prochaine, on va avoir une émission un peu spéciale, un peu particulière. C'est-à-dire que c'est non pas avec un collègue député, mais c'est avec une collègue députée, mais aussi une autre personne, une personne tierce. Je rappelle que la semaine prochaine, on va aborder le texte climat et résilience avec donc Aurore Berger d'une part, et Monsieur Frati d'autre part, qui lui était membre de la Commission citoyenne sur le climat. Donc, on va avoir des personnes qui ont des visions différentes, et je trouve que c'est extrêmement important comme ça d'avoir un débat riche par des personnes qui sont, elles, républicaines. Donc, voilà pour la semaine prochaine. La semaine suivante, je vous rappelle que c'est la secrétaire d'État Sarah El Haïry qui va venir parler de la jeunesse. C'est un vrai sujet à l'heure actuelle, la jeunesse, car c'est un moment qui est compliqué avec la pandémie, le confinement, beaucoup de métiers qui étaient réalisés par des jeunes qui aujourd'hui ne sont malheureusement pas ouverts. Donc des personnes, des jeunes qui n'ont pas forcément accès à une rémunération complémentaire pour pouvoir payer leurs factures, payer leur loyer. Donc un vrai débat, un vrai sujet. Et après, je voulais voir avec vous à suivre. Donc on va avoir avec mon collègue Pierre Persson un sujet sur les crypto-monnaies, c'est ce que vous m'avez demandé dernièrement, donc on va aborder le sujet. Mais voilà, j'aimerais bien aussi voir quelles sont les autres thématiques que vous souhaitez aborder. J'en ai deux qui me viennent à l'esprit de mon côté. Le premier, peut-être que vous avez entendu parler, il y a eu un rapport qui est sorti on est quel jour? Le début de semaine. De mémoire sur le Rwanda. Le Rwanda et donc le rôle que la France a joué lors du génocide au Rwanda. Donc, est-ce que c'est une thématique que vous souhaitez aborder? Donc, il y a un rapport qui fait 996 pages, extrêmement vaste. Donc, peut-être est-ce une thématique que vous souhaitez aborder? Et le deuxième sujet que je peux vous proposer, à voir s'il vous intéresse, c'est l'Union européenne. Et plus précisément, début 2022, la France aura la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Donc, voir si c'est une thématique qui vous intéresse. Donc, je vais vous faire passer de suite là un sondage. Hop, je vous l'envoie. Dites-moi si vous l'avez. Et si vous ne l'avez pas, vous faites un petit F5. Voilà, et puis cliquez dessus. Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère, il me semble le voir. Voilà, donc n'hésitez pas à voter. Donc vous avez première option, le sujet au niveau du Rwanda. Le deuxième, c'est le Conseil de l'Union européenne. Le troisième, c'est ben, si vous voulez aborder les deux sujets. Et enfin, le dernier, c'est ben, la réponse D. Voilà, tout simplement. Si ça vous intéresse d'avoir la réponse D, je vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre avant de clôturer le vote. Ensuite, dernière thématique que je voulais aborder avec vous rapidement, c'est
le thème que j'avais abordé déjà précédemment, qui est les Jeux Olympiques et l'e-sport. Est-ce qu'on peut mettre l'e-sport aux Jeux Olympiques? Comment vous voyez cette approche-là? Dans ce cadre-là, j'ai demandé à mon collègue député Pierre-Alain Raffan, que j'ai reçu il y a quelques semaines maintenant, s'il voulait aborder le sujet avec vous. Il a répondu par la favorable. J'ai aussi demandé à Nicolas Besombe, qui est le spécialiste de l'e-sport aux Jeux Olympiques, s'il souhaitait participer. Il m'a répondu aussi par la favorable. Maintenant, reste à voir. Il faut faire F5, Payadin 666. Normalement, ça doit pouvoir s'afficher. Donc voilà, et donc je disais, ils m'ont répondu tous les deux par la favorable. J'essaye de voir comment on peut trouver un créneau qui puisse être disponible pour tout le monde. Ça dépend si les canapés seront homologués. Après, ça dépend aussi de... Enfin, il faut... Je vais perdre mes mots, hurlement. Et je crois qu'il y a un vrai sujet aussi qui est de pointer, de trouver des solutions contre la sédentarisation lors de la pratique du jeu vidéo. Je ne dis pas qu'il faut être opposé au jeu vidéo, vous connaissez ma passion pour le jeu vidéo, mais encore, il faut pouvoir construire des passerelles pour que le jeu vidéo amène peut-être à une pratique aussi du sport. On a pas mal de choses à faire. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, je vous encourage, hurlement, je t'encourage à prendre connaissance de mes propositions et de voir aussi les derniers amendements que j'ai portés. Parce que je crois réellement qu'on peut construire des passerelles entre le sport et l'e-sport. Il y a des choses de magnifiques à construire. Alors pourquoi pas Denis Masseglia? Alors je rappelle, Denis Masseglia, c'est moi, mais ce n'est pas moi. J'ai donc un homonyme qui est président du CNOSF, Comité National Olympique du Sport Français. Et donc c'est lui qui gère un peu la partie Jeux Olympiques en France. Pourquoi pas, mais peut-être dans un second temps, parce que je vais un peu spoiler ma vision. Mais je ne crois pas que c'est au CIO et au CNOSF de mettre en place l'e-sport pour les Jeux Olympiques de 2024. Mais je crois que c'est plutôt à la ville de Paris. Et justement, lors de cet échange, on abordera le sujet. Chacun donnera son opinion, que ce soit moi de mon côté, et ensuite, que ce soit Nicolas Besombes et Pierre-Alain Raffan. Je vais clôturer le vote. Donc aujourd'hui, il y a deux votes qui sont au même niveau. Donc il y a la présidence française du Conseil de l'Union européenne et aussi les deux sujets. Il y a 50-50, pile poil 50. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va partir sur les deux sujets. Je vais voir avec quelques collègues spécialistes de ces thématiques-là pour pouvoir organiser ce type de débat. Voilà, puis on va clôturer là. Je vous remercie tous. Il faut savoir que là, j'ai vite rangé mes affaires et j'allais dans l'hémicycle parce qu'à partir de 21 h, redémarre le texte, le PJL, le projet de loi climat résilience. Et j'ai quelques amendements. D'ailleurs, j'ai un amendement sur l'article 4 et un amendement sur l'article 10. Et vu qu'on parle un peu de sport, sur l'article 10, j'essaye de trouver un équilibre pour pouvoir continuer à avoir des échantillons donnés dans le cadre d'épreuves sportives, puisqu'on va supprimer, il y a une volonté de supprimer la distribution d'échantillons sans accord de la personne qui reçoit l'échantillon. Et je crois que, par exemple, lors de la caravane du Tour de France, il y a des échantillons qui sont distribués. Et ces échantillons, forcément, on ne va pas demander aux différentes personnes qui sont sur le bord de la route un accord écrit de fourniture de l'échantillon ou même un accord oral. Donc, j'ai un amendement de ce type-là pour voir comment on peut construire un équilibre entre, certes, avancer sur la distribution d'échantillons qui sont parfois opposés à la vision écologique qu'on peut avoir, tout en gardant aussi quelques habitudes qui sont la richesse de notre territoire. Et je crois que le Tour de France et surtout la caravane est quelque chose qui est très attendu par nos concitoyens. Et ça serait dommage de l'abîmer. C'est ça, un saucisson sans emballage. Et puis éventuellement, un saucisson bio avec le bien-être animal lors de l'élevage du cochon. Donc des vrais sujets intéressants, mais voilà, ça serait dommage que demain on se retrouve à ne plus avoir de saucisson. Et d'ailleurs, sans citer la personne, on m'a dit que c'était un amendement cochonou. Alors voilà, je crois qu'on peut dire que oui, c'est un amendement cochonou.
je crois beaucoup à ce qu'on puisse trouver un bon équilibre, et oui, sans bout d'animaux dedans, alors qu'on puisse trouver un bon équilibre entre, d'une part, cette volonté farouche qui est d'avoir plus d'écologie, et c'est extrêmement important pour protéger notre planète et construire à nos enfants un avenir qui ne soit pas sombre, et mais aussi, d'autre part, de notre côté, s'assurer que certaines valeurs, certaines habitudes qui sont les nôtres, puissent perdurer. Il faut vraiment trouver le bon équilibre. On appelle ça souvent un chemin de crête. Donc voilà, on a ce chemin de crête à construire. Et donc, je vais défendre ces amendements. Voilà, je voulais vous remercier tous et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je sais qu'il y a aussi, et peut-être que ça explique qu'il y a un peu moins de personnes ce soir, il y a Vitality B qui essaye de se qualifier pour les Open Masters pour le play-in. Donc forcément, à décider, je pense que les gens sont allés voir les play-in plutôt que moi. Mais voilà, on fait avec. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs à me follow pour voir les prochaines. Les prochains lives. Et donc, Payada me dit 4-1. J'ai vu rapidement passer la feuille de match, je ne sais pas si c'est le terme d'ailleurs, de la quatrième game où ils ont roulé sur leur adversaire. Je ne sais pas s'ils ont joué d'ailleurs je crois que c'était contre Fnatic, c'est ça, l'équipe forte aussi dans la poule. Je ne sais pas s'ils ont joué contre eux. D'ailleurs, c'était la défaite qu'ils ont eue hier. Peut-être que Payada sait me dire. Voilà, et puis moi je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine. La cinquième, oui, mais c'est pas Fnatic. D'accord. Donc ça sera le dernier match, j'imagine. Merci à vous tous. Bonne fin de soirée. Bonne semaine à vous tous. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Sur Twitter, j'essaye aussi de répondre au maximum. Et puis voilà, c'était un vrai plaisir de partager un moment avec vous ce soir. Et à bientôt!